Va vraiment falloir que j'aille mener l'enquête, un de ces quatre là-dedans. Ouais. Ça tourne pas rond, c'est pas clair. Un de ces quatre, les gens, on ira faire une enquête. Juste derrière moi. Regardez ça. Je crois bien que c'est hanté, mon vieux. C'est obligé. Et ça paraît pas comme ça, mais c'est énorme. En fait, c'est un château. Tout ça, ça en fait partie. C'est juste énorme. Et ça continue encore derrière et tout. Hein. Je suis sûr que si on zoome un petit peu, on peut peut-être apercevoir la Dame Blanche par ici. Une légende raconte qu'elle apparaîtrait les soirs de pleine lune à minuit. Ouais, à la fenêtre. Faut bien regarder. En tout cas, les gens, si vous êtes chaud pour qu'on aille le visiter, un de ces quatre, un petit commentaire, un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et on va voir ce qu'on peut faire. Moi, je vous le dis, c'est obligé. Il y a des trucs pas clairs qui s'y trament là-bas. C'est obligé. Regardez, même là, ça en fait partie. Ouais. C'est la cour. Tranquillement. On ira voir un de ces quatre. Et sinon, vous avez vu ce qu'il y avait dans la woodbox ce mois-ci? Non? Eh ben ça tombe bien, moi non plus. Bon les gens, aujourd'hui, petite vidéo spéciale. On se retrouve pour déballer la woodbox tranquillement. Et je me suis dit que j'allais le faire dehors tranquillement. Il y a le petit château à côté et tout. Putain, par contre, il y a les bagnoles qui passent. Et en tout cas, en revenant à ce château, ça fait déjà un moment que je voudrais le visiter. Et je me tâte. Ouais. Bon les gens, aujourd'hui, petite woodbox spéciale. Vous l'aurez compris, c'est la woodbox ce mois-ci. Légende, et ouais, putain par contre c'est vachement sombre. Attends, bouge pas. Voilà, impeccable. Donc ce mois-ci, petite woodbox légende. Et franchement, c'est bien cool. Le mois dernier, on avait vu qu'il y avait une petite boule de cristal à l'intérieur du fascicule. Et ça annonce forcément du Dragon Ball Z. C'est obligé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Et on va piocher bien gentiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va commencer par un joli fascicule. Et c'est bien cool. Et moi je regarde pas ce qu'il y a dans le fascicule. Je regarde juste le thème du mois prochain, qui est... Vous avez reconnu? On va mettre le fascicule de côté. Ok, c'est nickel. Et là je vois direct qu'est-ce que je prends. Franchement, ça déchire. Regardez ça. Une petite figurine pop Dragon Ball Z. C'est Sangoku en Super Saiyan. Attendez, franchement faut que je la déballe. Il faut que je vois ça, mon vieux. Regardez ça comment tu déchires. Franchement, oh là 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 là, regardez ça, c'est Sangoku. Il déboîte franchement. Il déglingue avec ses petits cheveux et tout là au calme là, franchement. Oh là là, il déchire. Regardez ça mon vieux, il peut même faire des 360 avec sa tête et tout. C'est du jamais vu mon vieux dans la woodbox. Une petite figurine pop Dragon Ball Z, eh ben on va la ranger bien gentiment. Elle est bien cool, elle ira dans ma petite collection. On va la mettre de côté, c'est cool. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On a, je prends, ah, qu'est-ce que c'est que cette boîte mon vieux? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Game of Thrones. Je suis pas spécialement très fan, mais regardez, c'est des petits verres Game of Thrones et tout. Franchement, ils sont bien sympatoches. Pourquoi pas en soirée et tout, prendre des petits shooters d'Oasis, bien entendu. Shoot Glass 7, Game of Thrones. En tout cas, ils sont super sympas. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça fait le focus. Franchement, ils sont bien cool. Ok, je vais les mettre de côté. Aïe, comment que ça déchire. Je crois bien, attendez. Je vais vous le montrer, mais ça déchire. Si je ne m'abuse, voilà, si vous le voyez bien comme ça, c'est un cadre Zelda Breath of the Wild. Franchement, il déchire. Regardez, c'est le petit Zelda là, et puis là, ça doit être un boss. En fait, j'ai reconnu le Zelda Breath of the Wild parce que, si vous voulez, il est bleu. Voilà, et puis là, je reconnais l'ennemi, je l'avais déjà vu dans le trailer et tout. Donc voilà, celui-là aussi, je crois, je l'avais déjà vu, je sais plus. Voilà, en tout cas, il est bien cool. Bon, tout ça pour vous dire que les gens, j'en profite. Putain de tracteur, mon vieux, tu veux pas te taire? Alors, donc les gens, bien entendu, j'en profite pour vous dire que demain, normalement, si tout se passe bien, je reçois la Nintendo Switch avec Zelda. Et dès demain soir, je pense qu'il va y avoir un gros live sur Zelda Breath of the Wild. En tout cas, ça me ferait super plaisir de commencer cette aventure avec vous. Ça va être un truc de fou. Et ben, j'adore le cadre. Je pense qu'il va finir dans mon décor. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, moi, je trouve qu'il déchire. Ouais. Donc, demain, normalement, je reçois la Switch. Il y aura, bien entendu, un petit unboxing des familles et tout, voilà, pour vous prévenir. Et le soir même, je pense qu'il y aura un live sur Zelda Breath of the Wild. Donc, ça va être bien cool. On va le mettre de côté. On a, bien entendu, un petit badge des familles. C'est un badge. Je sais même pas si c'est un badge, c'est un POG ou je sais pas quoi. Voilà. Donc, on dirait un truc Mortal Kombat un peu. Je sais pas. Je sais pas du tout c'est quoi celui-là. Si vous connaissez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, c'est la woodbox légende. Donc c'est le thème légende. Alors bien entendu, j'ai rien trouvé de mieux que de vous faire ma vidéo dans les toilettes publiques. C'est bien cool, c'est bien sympatoche.
Et on a ici un super t-shirt. Et c'est un t-shirt. Oh là 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 là. Attendez, attendez, attendez. Je le regarde avant. Il déchire. Il déchire. Regardez ça. Il est pas beau? Il est pas magnifique? Franchement, il déchire. Un petit t-shirt Sonic Hedgehog. Donc voilà, c'est celui qui était sur la Mega Drive à l'époque. Je l'ai torché, retorché, mon vieux. Voilà, franchement, il déchirait quoi. Donc voilà les gens. Et ben voilà, et on n'a plus rien. Alors je vais faire un truc que je fais rarement, c'est ouvrir le magazine. Donc on avait bien le cadre de Zelda, on avait la figurine pop de Sangoku, ça c'est cool. Les petits verres Game of Thrones, le t-shirt Sonic. Et là j'ai sous les yeux la description du badge, j'ai ce à quoi il correspond. Et du coup j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que quand je regarde le logo, et ben c'est vrai que c'était ça en fait. Et je vous laisse me dire dans les commentaires à quoi il correspond ce badge. Et en fait, ouais, carrément, voilà. C'est sur le thème légendaire, n'oubliez pas. C'est le thème légende et tout, donc c'est les mythes et tout. Voilà, à quoi il correspond. Eh ouais, et en fait, il correspond bien. Il correspond pas à ce que je pensais. Donc voilà, c'est pas du Mortal Kombat, c'est autre chose. Voilà, je vous aide. Et en tout cas, c'est bien cool. Ouais, il est plutôt sympa le décor. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est bien cool. Regardez ça, mon vieux, ça la fout bien pour des chiottes publiques. Ils ont carrément foutu des cadenas sur les portes, quoi. Enfin bon, en tout cas les gens, je sais pas du tout si c'est possible de visiter ça, mais va falloir que je me renseigne. Mais je sais pas du tout si c'est possible. Alors je vous jure, ça paraît pas comme ça, mais en fait c'est un immense château. La cour elle est vraiment super super grande et il y a d'autres bâtiments et tout, donc voilà. En tout cas ça a l'air vraiment cool quoi. Franchement c'est un truc qui me dirait bien, une petite exploration nocturne. En plus c'est à côté de chez moi, donc c'est plutôt cool. Mais comme je vous dis, je sais pas si... Je sais pas si on a le droit de rentrer dedans, parce qu'en fait, ça appartient à une duchesse. Eh putain, putain, comment elle m'a foutu les boules la sonnerie de l'église, mon vieux, je suis juste à côté. Et ouais, du coup, ça appartient à une duchesse, mais la duchesse, ça fait belle lurette qu'elle a déserté, mon vieux. Et voilà, je sais pas où est-ce qu'elle est à cette heure-ci. Et du coup, bah, c'est abandonné, quoi. Donc je sais pas, est-ce qu'il faudrait que je me renseigne à la mairie ou quoi. Affaire à suivre. Comme ils diraient les English, coming soon. Ouais. Et du coup, en fait, la tour que vous pouvez apercevoir derrière moi, eh ben, ça en fait partie. Eh ouais, ça fait partie de cet énorme château. Oh. Bon, voilà les gens, me voilà retourné à la maison. Et puis, je vais aller monter la vidéo pour vous la montrer. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, pourquoi pas la partager, ça ferait plaisir. Et puis, on se retrouve demain déjà pour Zelda Breath of the Wild. Normalement, je mets des guillemets, mais normalement, je devrais la recevoir demain. Voilà. Sur ce, les gens, ciao tout le monde. Bye.